Good morgen, allez, une étude sur aujourd'hui. Les Lognishmat Machlouf Micha Ben Masouda, Nachman Yosef Ben Achuma, Abraham Chenoba Ben Fortune, Madaldo Ben Yudit, et Nissan Ben Mafred, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah à contacter à 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Tamid, Perek He, Mishnah Bet. Amar Laem, Chadashim Laktoret, Baou, Ve Hafisou. Efisou, Zacha Misha Zacha. Chadashim im Yeshanim, Baou Ve Hafisou, Mima Levarim, Mina Kevesh, La Misbeach. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Amale Varim la Kevesh, Hu Male Otan al Gabei Amizbeach. On débute dans notre Mishnah le troisième et le quatrième tirage au sort. C'est-à-dire, depuis le petit matin, le Memouné, le responsable des Kohanim, le délégué, a fait un premier tirage au sort pour désigner qui allait faire la première avoda, la Tourmat Adeshen, lever les cendres du Mizbeach, pour le descendre ici sur le Makom Adeshen. Après, les Kohanim ont rangé le Mizbeach. Et le deuxième païs, le païs, le fils, comme Mifa la païs. Le deuxième païs où il a fallu désigner qui allait faire la shrita du Korban Tamid avec tout, faire monter les membres sur le Mizbeach. Et on incluait aussi dans ça le Dishun Mizbeach Hapnimi et Dishun Menorah, c'est-à-dire le fait de vider les cendres du Mizbeach Hapnimi et de la Menorah. Et puis, après, on avait fini donc le Perek Dalet, en voyant que le Kohanim avait déposé les membres sur à la mi-hauteur du Kevesh et de la rampe du Mizbeach, pour ensuite partir dans le Lishkat Hagazit, et là-bas on avait appris dans la Mishnah précédente, dans la Mishnah Aleph, qu'ils lisaient le Kriyat Shema et qu'ils priaient quelques tfilot pour que le Korban qu'ils ont déjà commencé à faire se fasse agréer devant Hachem. Maintenant, on va continuer maintenant le déroulement des Avodot du matin. Et sur ça, ça va être le moment de désigner qui va faire la Ktoret. Donc, on disait Amar Lahem, il leur disait le Memouné, Chadashim la Ktoret, les nouveaux de la Ktoret, Bohu Vehafisou, venez faire le païs, venez faire le tirage au sort. Donc, on avait tous les nouveaux Kohanim, qui n'avaient pour le moment qui avaient jamais eu l'occasion de faire la Ktoret, qui venait et qui faisait un tirage au sort. C'est-à-dire, cette fois-ci, pour tous les tirages au sort, tous les Kohanim étaient invités, même celui qui avait de la chance, qui avait tous les jours, qui recevait la plus belle des Avodot, ils revenaient tous. Mais spécialement pour la Ktoret, on n'invitait que ceux qui n'avaient encore jamais eu le mérite de la faire. Pour quelle raison? C'est déduit d'un pasouk de Dvarim dans Vezot Abracha, dans les brachot qu'il a fait Moshe Rabbeinu, au Lévi'im, au Kohanim, Lévi'im, « Yassimu ketora be'apecha ve'chalil al misbechecha, barech Hashem chelo » Ou Foal et Dav Tirtse. Il y a un passage où Moshe Rabbeinu, il vante les Lévim par le fait qu'ils vont mettre la Ketore, Yassimu Ketora Beapecha, ils vont mettre l'encens devant ton nez, qui est Yachol, aussi qu'ils vont faire monter l'encens pour qu'Hachem accepte les Tiflot de Béni Israël. Ouais, donc ils vont brûler l'encens. Vechalil le Mizbechecha, Barech Hashem Chelo. Et Hachem, et donc Moshe Rabbeinu, il bénit les Lévites en leur disant, puisqu'ils vont faire cette action-là de mettre l'encens devant toi Hachem, alors Hachem bénit-les. De là on apprend que le fait de faire la Ktoret est une grande zgoula pour devenir riche. Il fallait être Kohen, d'accord? Mais donc puisque c'est par la Ktoret, on mérite la richesse, du coup on voulait que tout le Kohanim et la possibilité un jour de devenir riche. Donc on invitait que les Kohanim qui n'avaient jamais eu la Ktoret. Entre parenthèses, si ça vous intéresse, de là provient l'usage, d'une part, de lire la Ktoret. Il y en a qui font attention à la lire dans un parchemin écrit. C'est fondé à partir de ce principe. La Ktoret, c'est la Sgoula, c'est une Sgoula pour la Parnassa, d'une part. Et deuxièmement aussi, le Brit Mila, c'est le Sandak qui tient le bébé. Eh bien, il a c'est comparé à une Ktoret, la Brit Mila, comme si c'était une Ktoret devant Hachem, et de ce fait, c'est aussi une Zgoula pour devenir, pour avoir la bracha d'Hachem. Pas devenir riche, on va pas rouler avec une grosse voiture, on va avoir la bonne parnassa pour faire correctement les mitzvot et éduquer comme il faut les enfants. Entre parenthèses, on referme et on reprend le cours de notre Mishnah. Donc, Amar Lahem, il leur disait, le Chadashim, l'acteur de Bou, Fisso, celui qui a jamais encore été désigné pour l'actorette, venez, on va faire le tirage au sort, on fait un tirage au sort spécial pour lui. Zacha Miché Zacha, il a reçu, il a gagné le prix, Kol HaKavod. Reste de côté,
Dans quelques minutes, on va te donner tout ce qu'il faut pour faire le pour apporter l'actoret. Ça sera dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, on réunit de nouveau tous les Kohanim, on va faire le quatrième tirage au sort. Chadashim im yeshanim, bohu vafisu, les nouveaux comme les anciens. On réinvite tout le monde maintenant. Bohu vafisu, venons faire un nouveau païs, un nouveau tirage au sort. Mima le evarim mina kevesh la misbeach. Vous vous rappelez, les membres ils sont restés au milieu du kevesh. Maintenant on va faire un tirage au sort pour désigner les neuf Kohanim, si je ne me trompe pas, on avait vu. Il y avait neuf Kohanim. Et on leur disait, ben allez, on va désigner 9 personnes qui vont prendre maintenant les membres et les faire monter du milieu du Kevesh jusqu'à la Maharacha, jusqu'au bûcher du Mizbéach, pour les brûler. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, non, ça se passait pas comme ça, il n'y avait pas un quatrième tirage au sort pour cela, parce que Hama'ale varim la Kevesh, ou Ma'ale otan al gaba Mizbéach. Celui qui a fait monter les membres sur le Kevesh, eh bien, ce sera lui qui va repartir respectivement chaque Kohen. Il va repartir récupérer ce qu'il a posé par terre et pour le monter jusqu'en haut. On ne désignait pas d'autres personnes. Voilà pour la Mishnah, une petite parenthèse très jolie. Un Tosfot qui s'occupe d'expliquer. Il y a une Gemara tout d'abord. La Gemara explique dans Yoma pourquoi les Kohanim, pourquoi selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il fallait que ce soit les mêmes Kohanim qui allaient faire la mitzvah. Ben la réponse, elle est simple. La indique, c'est pas Derech Eretz par rapport à la Shrina qui était présente au Beth Amikdash, que ce soit pas le même Cohen qui vient. C'est-à-dire, imaginez que moi, je suis une personnalité très importante, le roi, et il y a un serviteur qui commence, dont j'avais soif, un serviteur qui commence à amener un verre d'eau, et puis il me l'amène à proximité, il le pose, il s'en va, et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui le prend. Question, est-ce que là, c'est un honneur pour moi, ou c'est au contraire un certain mépris pour moi. Et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça s'appelle un mépris. Ça veut dire tu ne peux pas venir le verre jusqu'au bout. Tu viens, tu me largues ça comme ça, tu me le jettes. Et c'est quelqu'un d'autre qui doit venir continuer le travail. Ouais. C'est pas Derech Eretz, c'est pas digne du roi Hachem de lui faire juste pareil que tu as fait monter les membres, puis après c'est quelqu'un d'autre qui vient faire le travail, toi t'es occupé. Tu fais quoi? Tu fumes une cigarette et t'écoutes les informations dehors, en dehors de l'extérieur du Beth Amikdash. C'est pas sérieux. Reviens, continue. Montre ton entrain jusqu'au bout que tu apportes les membres. Ça, c'est ce que la Gemara explique dans Yoma pour Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maintenant, tout ça, il soulève une question très intéressante. Que dans Psachim, on aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'arriver bientôt à Psachim. On va finir ensuite, quand on finit Kotchim, on va commencer Moed. On aura l'occasion de découvrir prochainement Masechet Psachim. Dans le Perek Tamid Nishrat, on apprendra comment est-ce que le Kohanim il faisait la Avoda le jour du Korban Pessah, dans l'après-midi du Korban Pessah. Et que, justement, on faisait participer tous les Kohanim. Ils se mettaient tous en ligne. Et il y en avait un au bout de la ligne qui faisait la shrita, l'autre qui récupérait le verre et qui transmettait le verre. Et on transmettait le verre comme ça et on partait, on le jetait, on le versait sur le misbéach et on rapportait le verre. Ouais, c'était. Et du coup, d'où la question. Et la Gemara explique. Pourquoi? Parce que Berov Amadrat Melech, c'est là tout le caveau du roi quand il y en a plein qui participent. C'est-à-dire, on amène le verre et un il fait passer, l'autre il fait passer, l'autre et l'autre il fait passer. Et comme ça fait plus de. Comme si tout le monde a envie d'avoir le mérite de servir le roi. Alors, d'où la question. Là-bas, tu me dis que c'est un grand mérite pour le roi, que c'est un grand mérite, c'est un grand honneur pour le roi que chacun participe. Et là, tu me dis que non, il faut surtout pas que ce soit d'autres personnes qui fassent la misa, ça se contredit un petit peu. Et tout ça, tu l'expliques, non, ça dépend en fait, est-ce qu'on reste sur place ou on reste pas sur place. Si on reste sur place, et que je transmets, et que je reste encore jusqu'à que le verre il arrive au roi, alors là, c'est sûr que c'est un kavod pour le roi, qu'on a tous envie de le servir. Mais quand je suis venu, j'ai fait une chose et puis après j'ai disparu de la circulation et c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui fait le travail, alors là, il y a en cela un certain mépris et c'est là où Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, ben non, dans ce cas-là, il faut que ce soit la même personne qui va continuer la voda. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.